En fait, d'abord, j'étais photographe de rue, événementielle, de rue. D'accord. Je me suis dirigée vers... dans la rue, j'aimais travailler, faire photographier les personnes en situation. Et puis, petit à petit, j'ai exposé chez quelqu'un. Et cette personne a vraiment aimé mon style, mon clair-obscur, et m'a demandé pour poser. Et c'est là que j'ai commencé le mi-masculin. Voilà, puis en publiant un petit peu timidement d'abord. Et j'ai fait mon petit parcours depuis 3 ans. Maintenant, j'expose pas mal. On me connaît maintenant sous le nom de Haut Masculin, mais aussi mon nom de Valérie Montréal, parce que je travaille aussi le charme féminin et les couples. Donc la photo de charme est devenue, de la photo de charme pour le plaisir, mais de plus en plus, ça devient la photo de charme, un outil pour la revalorisation de soi, pour travailler l'estime de soi. J'essaye d'être en contact avec des milieux thérapeutiques pour inclure mon travail dans la thérapie. Mais tu as un studio également. Oui, tout à fait. Donc, je travaille principalement dans mon studio qui se trouve à Anse, rue de l'Isère, donc qui est une grande route connue, un lieu assez discret aussi. Et je travaille uniquement sur rendez-vous. Voilà, mais alors, tu as autant de femmes que d'hommes, d'hommes que de femmes, il n'y a vraiment pas de... Ça dépend des périodes. Oui. Mais comme j'ai un site, donc au masculin.net, l'homme est représenté de manière différente, je veux dire, artistique. J'ai aussi une galerie qui reprend des couples sur ce site-là. Oui. Sinon, sur mon site principal, j'ai mis aussi les femmes. Et mon site, c'est mon nom, mon prénom, mon nom, donc valeriemontréal.be. Alors ici, il y a 3 photos de toi, dont une d'une femme. Hein, donc, non. Et non. Ah non ? Ah non. Ah, c'est pas vrai, c'est le mec ? Ah oui. Trop fort. Tu m'as demandé des hommes, bravo. J'ai mis des hommes. Bravo. Donc, autant pour moi. Donc c'est une mise en scène d'un homme qui porte des porte-jartelles noires avec une guépière. Oui. Et des talons. Oui. Il a des jambes magnifiques. Tout à fait. J'ai cru que c'était une nana, mais il a des jambes magnifiques. Et il a gardé ses talons pendant 1h30. Tu le féliciteras de ma part. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres modèles plus particuliers. Oui. Dans des situations particulières. Aussi, oui. Donc, j'ai des hommes et des femmes aussi qui aiment le BDSM. Donc, ils viennent avec leurs accessoires. Et j'essaye de mettre, de manière artistique, avec mon jeu d'ombre et de lumière, leur passion et leurs accessoires. Peux-tu dire donc au public, aux auditeurs, ce que veut dire BDSM ? C'est le monde du bondage, de la soumission. Alors tous ces hommes-là qui ont fait des photos avec toi, finalement, ils arrivent à se mettre en confiance ? Il y en a qui reviennent ? Oui, il y a des personnes qui reviennent ou qui me font une commande. Donc ici, moi j'ai envie de rectifier, ce n'est pas une mise en scène, mais ce sont les hommes qui viennent comme ça. Certains hommes ont un secret en eux, aiment la lingerie féminine sur eux, et je donne l'occasion de venir au studio pour poser tels qu'ils sont. Je suis toujours donc à l'Eros à Liège et je suis toujours avec Valérie Montréal, photographe. Oui. Alors Valérie, on a un petit peu, pas dans le détail, mais parlé de ta passion et de ton travail en tant que photographe. Et il y a aussi donc le côté estime de soi. Oui. Là, c'est plus des femmes qui viennent. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui manquent d'estime d'elles ? Oui, tout à fait. Et des hommes aussi d'ailleurs. Oui. Qu'en penses-tu ? Les hommes en parlent moins, mais beaucoup de femmes qui perdent du poids ou des hommes qui divorcent, perdent leur travail, perdent un petit peu leur identité et viennent chez moi pour des photos de charme, pour retrouver un petit peu une estime d'eux-mêmes, les dames aussi d'ailleurs. Et les couples, ils viennent pour un peu exprimer leur amour au studio d'une manière un peu différente. Donc je travaille en lingerie et je travaille le nu artistique aussi. Donc que ce soit hommes, femmes et couples. Donc tu es quand même une amoureuse de la sensualité, oui, des désirs, je trouve ça de l'érotisme. Beau, tout à fait. Et toi, est-ce qu'on pourrait te prendre en photo un jour ? Ouh, on m'a déjà proposé. Est-ce que tu te sens bien avec l'érotisme s'il s'agit de toi ? Oui, je me sens bien. Donc tu te pourrais très bien être dans des situations un peu sensuelles si on avait envie de te prendre en photo ? En photo, non. En intimité, oui. Ah ben, je pourrais jamais partager cette intimité avec toi. J'en suis fortement désolée. Donc merci Valérie pour ce moment. Je te souhaite un bon moment de plaisir du regard ici donc merci. Au Salon Eros et que ça se passe bien pour toi en tant qu'exposante de photographe. Oui. J'espère que tu as un bon retour de ton merci. Travail jusqu'à présent. Oui. Merci à toi. 3xvalériemontréal.be, Montréal avec 2 R. Elle est aussi sur Facebook à Valérie Montréal. Tout voilà. À fait. Et sur Insta. Merci Valérie.